Coucou les crocheteurs, coucou les crocheteuses. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va impeccable. J'ai enfin terminé mon projet ce week-end, samedi. C'était mon anniversaire. Je l'ai dit à personne. Et donc mon homme a décidé qu'on aille à Action. Il a voulu me faire plaisir. Il m'a acheté tout un tas de laine. J'ai mis des photos sur Facebook de toute la laine que j'avais prise. Et je vous ai demandé qu'est-ce que vous feriez avec un cake de 1000 grammes, donc 1 kilo. Je vous montre là à peu près l'envergure. Je ne sais pas si vous avez vu les photos sur la page de Funny Crochet Facebook. Donc, vous m'avez donné certaines idées, des châles, des pulls, des chaussons, mais j'ai décidé de faire mon premier cardigan très long, veste en fait, pour l'hiver. Et je trouve que le résultat est super joli. Le dégradé de couleur est vraiment beau. Donc, sur 1 kilo de laine, il me reste 68 grammes. Donc, je vous montre. Il me reste ça. Voilà, tout simplement. Attention, parce que moi, je suis grande. Donc, j'ai des bras grands. J'ai un buste qui est assez élancé, assez grand aussi. Donc, j'ai eu besoin de faire en fonction de ma taille. Là, c'est une taille 42. Mais comme je vous disais, ce que vous n'allez pas prendre en longueur, vous allez récupérer en largeur. Quoi qu'il arrive. Parce que là, je vous montre, les manches sont quand même assez grandes. J'ai fait un col qui est super grand aussi. Vous n'êtes pas obligé de faire la même chose. Et c'est surtout au niveau de la longueur qui est très 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 long. Voilà, je le voulais long, qui couvre les fesses, les hanches. Donc, chose faite. Hyper facile à faire. Les débutantes vont pouvoir s'amuser. Débutants et débutantes, vous allez pouvoir vous amuser à le faire. Je vais tout vous expliquer. Je suis partie sur la base d'un top down en fait, d'un pull, d'un top down que je vous ai fréquemment fait. Vous allez voir, c'est hyper facile. Après, on va juste faire le nombre de d'augmentations nécessaires pour obtenir la taille que l'on souhaite, les manches, et le tour est joué. Ici, ce que vous allez perdre en longueur et récupérer en largeur, vous allez peut-être pouvoir faire des bandes plus larges de façon à réunir bien les deux côtés. Voilà. J'ai fait un lien que j'ai coincé dans les brides directement. J'ai même pas fait de d'attache. Je les ai insérés directement dans les brides. Des poches, deux poches. Voilà, j'ai trouvé les trois mêmes boutons pour le col et pour les poches. Finition en point élastique à chaque fois, aussi bien pour les manches que pour le bas que pour le col. Donc voilà, là, ce cardigan-là, ça fait à peu près une taille 42. Mais comme je vous disais, si vous êtes plus peu... Moi, je fais 1m80. Donc si vous êtes plus petite que moi, vous allez avoir largement assez avec 1 kilo quand même pour vous faire un joli cardigan. Vous ne serez pas obligé de faire la longueur que moi j'ai faite, ni la longueur des manches. D'accord? Donc je vais vous expliquer tout ça. Je vais pousser. Il pèse très lourd, hein. Je vous dis, préparez-vous à avoir quelque chose de lourd, de chaud, mais de moelleux sur les épaules pour cet hiver. C'est impeccable. Alors moi, avec ça, je vais mettre juste un t-shirt en dessous, hein. Je vous dis la vérité, ça tient hyper chaud. J'ai crocheté avec le crochet numéro 6. Donc voilà ce que ça donne à peu près. Je mettrai encore des photos entière, vous le verrez entièrement sur Facebook, sur Instagram, comme ça vous donnera une petite idée de la longueur par rapport au mannequin sur lequel je vais le poser. D'accord? Donc je le pousse et on va commencer de suite à travailler. Donc là, je vais vous faire un échantillon. Ah, j'en profite pour remercier et accueillir, bien sûr, tous les nouveaux et nouvelles abonnés. C'est grâce à vous tous qu'on en est là aujourd'hui. C'est vous qui faites grandir notre petite communauté de crochet. Et c'est vous qui participez au développement de la chaîne. Donc, merci beaucoup. Je vous souhaite la bienvenue. Et j'espère que vous vous sentirez à l'aise
en ma compagnie. Alors, donc je vous expliquais que j'étais partie sur une base pour un pull ou un top down, etc. Moi, j'ai commencé par faire 60 mailles chaînettes, mais en sachant que c'est ouvert devant. Donc normalement, quand on fait un top down, on crochète les quatre côtés identiques à chaque fois. Donc là, j'ai fait comment ? 60 mailles chaînettes, c'est équivalent, je vais descendre un petit peu, voilà, c'est équivalent à 14 brides. On fait 14 brides avant de faire notre angle. 14 brides, notre angle, 14 brides, notre angle. Donc il y a un côté, le côté de devant en fait, la face, où on va partager en deux ces 14 brides, puisqu'il faut que ce soit ouvert. On ne va pas faire un pull fermé, on veut que ce soit ouvert. Donc on va partager 14, on va le diviser par 2. Ce qui va se passer, c'est qu'on va crocheter 3 mailles en l'air plus 6 brides pour 60 mailles chaînettes. Hein. Crochet numéro 6. On partage le chiffre du côté en 2. Donc on fait 7 brides, un angle 14, un angle 14, un angle 14, un angle et les 7 dernières brides. Et on repart de l'autre côté. On travaille en aller-retour à chaque fois. D'accord ? Donc peu importe le nombre de mailles que vous allez faire, peu importe la taille au final de votre fil, là c'est taille, j'ai pris taille 6, enfin j'ai crocheté avec le crochet numéro 6, vous allez essayer de trouver un chiffre qui correspond à votre carré qui sera ouvert en deux sur le devant. N'oubliez pas, je vais laisser le motif là, vous allez pouvoir peut-être vous faire une capture d'écran ou bien voir comment on procède. Le nombre que vous avez là, ça sera le nombre de brides que vous aurez entre chaque angle. D'accord ? Si vous faites un exemple 76 mailles chaînettes, vous allez devoir faire 18 brides entre chaque angle. Et sauf que les 18 brides sur le devant, elles seront partagées en deux. On commencera par faire 9 brides, un angle, 18, 18, 18, un angle et encore 9 brides. Et on repart dans l'autre sens. D'accord ? J'espère que vous avez compris. Bon, c'est parti. Alors, pour ce petit échantillon, vous allez voir, c'est hyper simple. C'est pas la première fois qu'on le fait. La seule différence, c'est que la laine avec laquelle j'ai travaillé est beaucoup plus grosse. Et le projet est beaucoup plus volumineux parce qu'il est beaucoup plus long. Et j'ai mis beaucoup plus de détails, le col, les manches, les finitions. Donc, forcément, on a besoin de plus de matière. Donc là, pour cet exemple, je vais faire 20 mailles chaînettes pour que vous compreniez à peu près ce que je veux vous expliquer. Donc on fait, vous n'allez pas faire 20. Bien sûr, vous allez faire plus. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Donc pour 20 mailles chaînettes, on nous dit, le schéma nous dit qu'entre chaque angle, on doit faire 4 brides. Comme je commence par le devant, je vais faire 3 mailles en l'air équivalent à ma première bride. D'accord ? 1, 2, 3, 4. Dans la cinquième, juste donc la maille d'à côté, je fais une deuxième bride. Ça veut dire que là, j'ai partagé le chiffre 4, celui-ci. Je l'ai partagé, je l'ai divisé en 2. Pour le devant, uniquement. Après, on va repartir sur 4 brides. Donc, j'ai mes deux premières brides. Je fais un angle directement sur la troisième maille chaînette. Donc, c'est-à-dire une bride, deux mailles en l'air, une bride. Ça, c'est mon premier angle. Et là, je poursuis. Le schéma me dit de faire 4 brides. Donc, je fais une, 2, 3, 4. Là, je sais que je dois faire un angle parce qu'on me dit que c'est 4 brides avant chaque angle. Vous, ça sera beaucoup plus. Là, c'est un exemple, c'est un échantillon. Je refais un angle, une bride, deux mailles en l'air et au même endroit, une bride, c'est-à-dire une augmentation au final.
Là, nous avons une partie du devant, la moitié du devant avec les deux brides et l'angle, le côté. Là, nous allons faire le derrière, donc 4 brides d'affilée. Sur les 4 mailles suivantes, une bride chacune. C'est pour ça que je vous disais que même les débutantes vont pouvoir le faire, parce que c'est que des brides. Après, on aura des petites finitions en mailles serrées, ce que vous voulez. Vous pouvez même laisser fini en bride, hein. C'est pas obligatoire de faire des mailles serrées. Point élastique, c'est pas obligatoire non plus, mais moi je trouve que ça lui donne quand même un super beau style. Donc là, j'ai fait 4 brides. Je sais que je dois faire un angle, c'est-à-dire une bride, 2 mailles de séparation, une deuxième bride au même endroit. On a fait la moitié du devant, un côté, le derrière, on va faire l'autre côté, par exemple le côté gauche, en faisant nos 4 brides. Il me reste 3 mailles, c'est tout à fait normal, parce que sur la suivante, on va venir faire notre quatrième angle, c'est-à-dire une bride, 2 mailles en l'air, au même endroit, une seconde bride. Et on va compléter le devant, vous allez voir, avec nos 2 brides restantes. Les 4 que l'on a divisées en 2 au début, on les reporte à la fin. Donc il m'en reste 2 à faire. Voilà ce que ça nous donne. Ça commence à prendre la forme. Le devant, où c'est coupé en 2, ça sera le devant du cardigan, du gilet, de la veste, peu importe comment vous allez, avec quel fil vous allez travailler, avec quelle matière. On a nos 4 angles et le devant. Donc je vous disais qu'on travaillait en aller-retour. On continue, et là c'est archi simple. 3 mailles en l'air. Alors moi je tourne toujours, je m'accroche ici pour pas que ce soit trop biscornu. 3 mailles en l'air. Sur chacune de mes brides, une bride. Je ne me pose pas de questions. Je fais une bride sur chaque bride qui se présente à moi. Lorsque je vois un angle, j'ai travaillé la bride. Là, j'ai mon espace de mon augmentation. Je fais un angle par-dessus, c'est-à-dire une bride, 2 mailles en l'air au même endroit, une bride. Et là, on continue à travailler. Ici, j'ai une bride. Je fais une bride. Jusqu'au prochain angle, vous faites bride sur bride. J'accélère un petit peu. Il n'y a pas du tout de complications à ce niveau-là. On voit une bride, on travaille une bride par-dessus. On arrive à un angle. On travaille un angle. On fait exactement ce que l'on voit, c'est-à-dire une bride, 2 mailles en l'air, de nouveau une seconde bride. Et on continue. On va faire comme ça tout le tour. C'est pas du tout compliqué. Alors, je vais vous dire à peu près, enfin, je vais vous dire combien moi j'ai fait d'augmentation, combien de tours j'ai travaillé de cette façon avant de rejoindre les angles pour faire les emmanchures. Je finis ce tour, je reprends le cardigan et je vais compter. Donc j'arrive à l'angle, je fais un angle, et ça va être à l'appréciation de chacun, de chacune. C'est vous qui au fur et à mesure, ah non, petit nœud, fallait pas, bon tant pis, c'est vous au fur et à mesure qui allez le poser sur vos épaules pour voir à quel endroit il vous arrive. Et en fonction de l'endroit où il vous arrive, tout simplement, vous allez voir s'il faut que vous continuiez les augmentations ou si vous pouvez commencer à faire à joindre les deux angles opposés pour faire les emmanchures, tout simplement. C'est pour ça que je vous disais, vu qu'on n'est pas toutes faites de la même manière, peut-être qu'une personne qui fait une taille 46-48, si ça se trouve, elle aura besoin de moins de laine que moi, parce qu'elle sera un peu plus petite. Moi, comme je vous ai expliqué, je suis grande, j'ai des bras très longs, donc j'étais obligée de vraiment faire à ma taille.
que vous allez perdre en longueur, vous allez le récupérer en largeur. Et ici, sur la troisième maille en l'air, on n'oublie pas de faire notre dernière bride. Donc pour le moment, ça nous donne ceci. Nous avons toujours nos quatre angles, les brides sur chaque côté et les brides partagées en deux sur le devant parce que forcément ça sera le côté de l'ouverture. D'accord? Donc je vais compter. Alors je reprends. Je vais compter combien j'ai fait. Donc, 1, alors attendez que je ne vous dise pas de bêtises. Là, c'est le premier rang. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai fait au total avec le premier 12. 12 fois le système que l'on vient de faire là. Avec les augmentations, j'ai travaillé 12 fois de suite pour obtenir la largeur. Obtenir vraiment la largeur, j'ai posé sur mes épaules pour que ça fasse bien le tour. Donc moi j'ai fait 12 fois, vous peut-être que vous allez faire moins, peu importe, c'est vous qui allez voir. Ensuite, une fois que nous avons notre largeur nécessaire, on va vouloir bien sûr relier pour pouvoir faire nos manches. Donc, je vous montre comment vous allez procéder. Là, tout à fait normalement, vous allez aller jusqu'au premier angle. En faisant bride sur bride. Voilà. Comme si qu'on commençait un nouveau tour d'augmentation, finalement. Dans l'angle qui est ici, on va faire une seule bride. On va plier le travail en deux parce qu'on va venir relier l'angle correspondant en face. Donc on le plie en deux et on va travailler une bride dans l'angle qui se trouve en face, comme ceci. Ça nous a créé l'espace pour les bras. On continue de travailler. Bride sur bride. Alors là, je l'ai fait que en bride parce que je me suis dit que ben, je voulais que ce soit accessible pour tout le monde. Débutant, expert, confirmé. Donc, tout le monde sait faire des brides. Donc, je me suis dit que ça sera beaucoup plus facile. Mais le jour où j'ai une autre grosse pelote de cette envergure, je ferai autrement parce que d'ici là, je pense que vous saurez faire d'autres points. D'accord? De toute façon, à chaque fois que je vous ferai un tuto, je vous montrerai vraiment comment on procède. J'arrive à l'angle suivant. Une bride. Je sais que je dois l'unir à cet angle-là. Donc, je plie le travail et je fais une bride dans l'angle qui se trouve ici. Je continue mon travail, bride sur bride, jusqu'à la fin. Et dans la troisième maille en l'air, on n'oublie pas de faire une bride également. Voilà ce que ça nous donne. On a réussi. Donc là, nous avons le devant de notre cardigan, vous voyez, avec les deux côtés qui s'ouvrent, l'espace pour les manches, le dos, à nouveau l'espace pour les manches, comme ceci. Ensuite, une fois que vous avez réussi à faire cette petite manœuvre, on tourne, toujours pareil. On ne va plus faire d'augmentation puisqu'on a notre taille, on a la taille que l'on désire. On fait bride sur bride. Et là, on va travailler. Je crois que j'ai noté combien de rangs j'ai fait. Non, je ne l'ai pas noté. Je vais les compter, c'est pas grave. On va travailler sur chaque maille une bride. Là, ce que vous allez faire, là, c'est ce qui va déterminer en longueur.
Plus vous allez faire de tours, plus il va être long. Tout simplement. Donc, il n'y a pas à se poser de questions. Vous allez le poser sur vous au fur et à mesure ou sur un mannequin qui a vos mensurations. Au fur et à mesure, vous allez le poser et vous allez voir si ça vous convient, la taille, si... voilà. Parce que n'oubliez pas que j'ai fait 4 rangs tout à la fin en point élastique. Mais ça, c'est vraiment, on le fait vraiment au dernier moment, une fois que nous avons fait les bandes centrales. Parce que sinon, vous allez vous retrouver avec une démarcation, ça va vraiment pas être joli. Donc, je vous montre, je finis ce tour. Et la dernière bride sur la troisième maille en l'air du départ. Voilà. Donc, je vous disais, plus vous allez travailler en aller-retour, plus ça va vous donner la longueur. D'accord. Une fois que vous avez votre longueur, que vous êtes sûr de vous, vous allez pouvoir faire ici au centre les rangs de mailles serrées. Alors c'est très simple, je vais être obligée de couper, tant pis, c'est pas grave. Je vais faire un petit... Je récupérerai le fil plus tard. Hop. Là, on dit que j'ai ma longueur. Tout va bien. Je vais faire mes bandes centrales. Mais parce que après, je devrais faire mes tours de points élastiques. Donc, je suis obligée de faire les bandes centrales parce que si vous voulez, ça va avancer le travail. Si je commence à faire mon point élastique là, je vais m'accrocher sur la première maille. Mais alors que je vais avoir les bandes centrales, ça ne va pas être joli. Donc, vaut mieux les faire au début. Vous n'êtes pas obligé de les faire. Hein. Moi, je les ai faites vraiment parce que je trouvais ça joli. Puis, ça cassait un peu le côté bride. Je les ai faites en maille serrée. Donc, je suis rentrée ici, tout en bas. Tout en bas du projet, sur l'avant, hein, sur la première maille. J'ai rentré mon fil, une maille en l'air. Et au même endroit, j'ai fait une maille serrée. Et là, ça va être très simple. Donc, une maille serrée sur l'extrémité. Une maille serrée, on rentre à l'intérieur de cette bride, ici même. Une maille serrée, ici, au centre, là. Si vous pouvez rentrer au milieu, c'est encore mieux. À chaque fois, on va venir faire deux mailles serrées, en fait. Là, je suis au milieu, je rentre dans la bride. Je me retrouve de nouveau au milieu, je fais... une maille serrée. J'en profite pour cacher mon fil. Ici, au centre, une maille serrée. À l'extrémité, une maille serrée. Ça sera deux mailles à chaque fois. Une maille serrée au milieu et sur la maille de tout en haut, également une maille serrée. C'est pour la raison pour laquelle je vous conseille d'attendre, d'avoir fait vos deux bandes centrales pour faire le col également. Parce que si vous partez dès le début, vous allez avoir les bandes qui vont dépasser. Elles ne vont pas être prises dans le point élastique. Donc, une fois qu'on a fait ça, une maille en l'air, on retourne. Et là, c'est vous qui allez, pareil, déterminer le nombre de rangs que vous allez faire en maille serrée. Vous allez faire également de la même façon sur l'autre côté, en face, forcément. Ben là, c'est simple, sur chaque maille serrée, on fait une maille serrée. Moi, j'ai fait 6 rangs de chaque côté. J'en ai fait 6. Vous voyez, ça donne une autre allure vraiment au cardigan, je trouve, à la veste. Donc, vous faites pareil de ce côté-là. D'accord. Une fois que vous avez fait donc toutes vos mailles serrées, devant, côté gauche, côté droit, vous allez faire votre tour de point élastique, puisque votre hauteur, elle est bonne, votre longueur de la veste, elle est impeccable. Vous allez faire votre tour de point élastique. C'est réglé. Le point élastique, ça sera une bride sur chaque maille pour commencer le premier tour. Et ensuite, au deuxième tour, deuxième rang, vous allez faire une bride en relief avant, une bride en relief arrière, avant, arrière, avant, arrière, avant, arrière. Et à chaque fois, c'est ce que vous allez reproduire.
Quand vous allez tourner le travail, quand vous verrez une bride en relief avant, vous ferez une en relief avant. Quand vous verrez en relief arrière, vous ferez une en relief arrière, tout simplement. Ça, je vous ai déjà montré dans un tuto précédent comment faire le point élastique. En haut, ça sera de la même façon. Un rang de bride et ensuite on poursuit en point élastique. Pour les manches, vous allez avoir bien sûr, je recoupe une emmanchure beaucoup plus grande. On est d'accord. Comment j'ai fait? Parce que ici, on a nos mailles, on les voit bien. Mais ici, comme c'est relié, on ne voit pas trop ce qui se passe. Donc, j'ai fait là, au centre, vraiment au centre, une bride ici. Je me suis attachée ici, avant la bride qui se trouve. J'ai fait 3 mailles en l'air, équivalent à ma première bride. Les manches, c'est vous qui allez décider. Moi, j'ai fait de cette façon-là. J'ai sauté la bride, je suis rentrée à l'intérieur, j'en ai fait une seconde. Je voulais des manches larges à la base et totalement réduites sur la fin pour que ça donne un style, un joli style. Ici, j'ai fait, comme vous pouvez le voir, une bride là, une bride à côté et je vais faire une dernière ici. Je rentre à l'intérieur de cette bride là. Et ensuite, je suis partie. Il me reste un espace, donc je le remplis, sinon ça va me faire un trou sous les aisselles, c'est pas joli. À faire des brides, tout le tour, jusqu'à la fin, jusqu'aux 3 mailles en l'air, pour unir. Dès que vous voyez un espace, vous faites une bride, pour éviter qu'il y ait des trous. Et on va crocheter comme ça. Moi, j'ai fait, pour ma taille, j'ai fait 13 tours pour les manches. J'ai fait 13 tours. Avant de commencer à faire mes diminutions, 13 tours de bride. Alors les diminutions, c'est simple. Je vais terminer ce tour-là et je vais vous montrer. Donc je finis en bride, je mets sur pause et je vous montre. Voilà, j'ai fait deux rangs, deux tours comme ça. Ça vous donne un peu plus une idée. Deux tours de bride. Donc pour les diminutions, je vous dis, moi j'ai fait 13 tours avant de procéder à mes diminutions, c'est pareil. Vous allez peut-être en faire moins parce que votre bras sera peut-être moins long que le mien. Donc vous allez, c'est vous qui allez essayer au fur et à mesure à quel moment vous allez devoir vous arrêter de faire des brides et de commencer à faire vos diminutions. Donc 3 mailles en l'air. On va travailler 2 brides à chaque fois ensemble. La maille d'à côté, on est obligé de faire notre bride, quoi qu'il arrive. D'accord? Ensuite, un jeté sur le crochet, je rentre dans la première bride, je la termine pas, je la laisse sur ma boucle, de nouveau un jeté, je rentre sur la prochaine, je ne la termine pas, et je les termine toutes les deux ensemble, ce qui nous réduit à une boucle, une maille. Je recommence, je rentre dans la maille, je fais comme si j'allais faire ma bride, mais je ne la termine pas, je laisse les fils sur mon crochet. Je rentre dans la suivante, je fais exactement la même chose, et je les termine toutes les deux ensemble. Et là, ça nous donne des diminutions. Deux brides non terminées ensemble à chaque fois. Là, ça va, il n'y en a pas beaucoup, donc ça va vite. La première, je ne la termine pas. La deuxième, je ne la termine pas. J'ai 3 boucles et je termine mes 3 boucles ensemble. Je continue. Je ne la termine pas. Je fais exactement la même chose. Je les finis ensemble. Et là, les 3 mailles en l'air que nous avons ici, nous les sautons, nous rentrons directement sur la tête de la bride. Tout à fait en haut. On ne s'occupe pas des 3 mailles en l'air. Équivalent à une diminution. Regardez, vous voyez la différence. Et là, vous allez commencer à faire votre point élastique que vous connaissez. Donc, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Les bordures centrales avant de faire le bas et le col. Les manches, vous pouvez les faire à tout moment. Ça ne causera aucun problème dans le déroulement de votre cardigan ou de votre veste.
Une fois que vous avez fait vos bordures centrales, vous pouvez commencer à faire vos tours en point élastique en bas. Pareil pour le haut. Vous allez faire un col d'une longueur que vous aurez décidé. C'est vous qui allez choisir. Surtout, faites bien le même nombre de tours sur chaque manche. Quitte à prendre un compte-rend pour ne pas oublier ou à noter combien de tours vous avez fait. Hein, parce que ce serait dommage d'avoir une manche plus courte que l'autre. Et au niveau du tour du point élastique, pareil. Ça serait bien que ça soit vraiment de la même longueur. Qu'est-ce que j'ai d'autre à ajouter? Je réfléchis. Je vais vous donner la longueur du mien. Je ne l'ai pas mesuré. Mais je vais vous dire combien j'ai fait. Je relève. Au total, après les augmentations, combien j'ai fait de tours? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. J'en ai fait 20. Au total, après mes augmentations, donc j'ai fait 13 tours d'augmentation, plus 20 tours pour ma longueur. Ça fait 30, 33 au total. Ça vous détermine à peu près la longueur. De toute façon, comme je vous ai dit, je vais vous mettre des photos. Pour le lien, c'est pareil. J'ai fait une chaînette de 115 mailles en l'air. Et j'ai fait des demi-brides à l'intérieur. Tout simplement, j'ai mis des perles au bout et je les ai rentrées. Vous voyez, à travers les brides qui existent déjà. Je ne me suis pas embêtée à créer moi-même une petite ceinture. Hein. Donc voilà ce que vous allez obtenir. Après, peut-être pas de cette couleur-là, mais n'hésitez surtout pas à m'envoyer vos photos sur le groupe Facebook. Ça me ferait super plaisir de voir les couleurs que vous avez. Et puis de voir votre travail surtout. Donc là, je vous disais, j'ai fait 6 rangs. Et après seulement, j'ai commencé à faire ma bordure en point élastique. Ok, donc j'espère que vous avez compris qu'on est parti sur un top down tout à fait basique comme on fait habituellement, sauf que vous allez continuer à travailler jusqu'à ce que vous obteniez la longueur, la largeur dont vous avez besoin. Pour les manches, bah, comme je vous ai montré, hein, tout simplement, vous continuez à crocheter en rond pour vous faire vos manches. Et le col, c'est pareil, c'est ce qui va donner un peu de la tenue un peu veste, un peu cardigan justement au projet. Lui faire un beau col, deux poches. Les poches, voilà, j'ai oublié les poches. Les poches, j'ai fait une maille chaînette de 12 mailles en l'air. J'ai fait 12 mailles chaînettes. Et je suis montée en demi-bride sur 9 rangs. Et le 10e rang, j'ai fait des mailles serrées. Et après, j'ai cousu directement sur mon gilet, ma poche. J'ai mis mon bouton. Voilà. Tout simplement. Donc, j'espère que ce tuto vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je ferai le maximum pour essayer de vous y répondre. Mais surtout, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos, ça me fait hyper plaisir. Et de voir votre travail, quoi. Tout simplement. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée et j'arrête de parler. Et puis je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto. Salut, salut !